comme ça, on se prend pour un héros, William Joseph Blazkowicz. Relevez les clopés. Je vais te dire un truc. Tu n'as rien d'un héros. Il n'y a que les rats dégénérés des bidonvilles pour t'admirer. La lie de l'humanité croupissant dans le ghetto. Mais tout ça changera dès qu'ils t'auront vu. Je devrais te montrer à la télé à travers le monde entier. Franchement, ne dites pas que c'est un sac qui ressemble à un héros. Un misérable cafard qui pisse dans un tube. Tout le monde verra bien quelle arnaque tu fais, toi alors. Lâchez-le. Dankeschön. Oh. Sie sind krank. Inclinez-vous. Joue pas à la conne. Tu sais que la résistance ne s'incline jamais. Mutter! Ah! Sigun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie... Du hast gesagt! Du überzichtest auf den Zucker! Was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons. Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast. Du willst sie befreien? Gut. Nimm! Nimm! Mach schon. Befrei ihren Kopf von ihren Schultern. Du hast mein Tagebuch gelesen. Lenk mich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Los, los! Los, 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 los! Fais pas ça, Fillette! Sag zu! Ich kann nicht, Mutter. Mach schon! Nein! Ich kann das nicht! Mein Tagebuch. Mit Perversion. Und verräterischen Worten vollschmieren. Das kannst du. Einige davon waren sogar auf Englisch. Page après page, tu déverses ton esprit malade pendant que ton corps gonfle cette graisse. On dirait un faux marin. Tu ne comprends donc pas la position dans laquelle tu m'as mise. La loi m'oblige à te dénoncer. Du hattest kein Recht, es zu lesen. Caroline Baker, leader du cercle de Kreisau. Cerveau du groupe criminel. N'abandonne jamais Blazkowicz. Oh. Ne les laisse jamais gagner. Je ne crois pas. Je pense que... tu n'es rien d'autre... qu'un... Vous avez vu ça? C'est pas vrai. Il veut le Meister. Regardez ça. C'est tellement étrange. Elle était là, il y a juste un instant, et maintenant plus rien. D'après vous, est-ce que ses yeux se sont un jour remplis d'amour pour quelqu'un? Un baiser, mon cher? Das ist nicht komisch. Willst du auch ein Küsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast, auf deine dicken, fetten Wangen? Oder vielleicht lieber hier unten, ha? Jetzt zwing mich nicht, zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Bring ihn hier! Un autre vieil ami à toi, je crois? Je vais te tuer! Mutter, bitte hör auf, es reicht! Aus dem Weg! Ja. Nein! Ja. Monsieur! Blazkowicz!
ça va, Blasco? J'ai connu mieux, mais je crois que j'ai stoppé l'hémorragie. Donne-moi une raison de ne pas exploser ta putain de cervelle, là, tout de suite. Mais explique bien, j'ai un peu de mal avec tout le sang que j'ai perdu. Je peux vous aider. Je peux vous donner des informations, des secrets des militaires. Je peux vous dire comment libérer votre sous-marin. Il y a aussi des navettes d'évacuation par ici. Je connais le code pour y accéder. Attends, attends, attends. Comment on libère le sous-marin? Cette porte conduit à la salle de commande. Des bras électromagnétiques. C'est là que vous pourrez les désactiver. Et ça relâchera votre sous-marin. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Oui. Bon, Blasco, tu fonces là-dedans. Tu trouves la salle des commandes et tu libères notre sous-marin. Je suis désolé pour votre... Tu peux la fermer. Fergus, un type qui perd un bras et qui continue comme si de rien n'était, moi, je dis que ça se respecte. On peut faire beaucoup de choses avec une hachette et un nazi. Caroline, tu me reçois? Avant que tu n'ailles là-haut, je t'en prie, veille sur nos hommes. Moi, je m'occupe de ça. Comme on nous a appris pendant les classes, éliminez les commandants en premier. Ah, General Engel, bitte bestätigen Sie die Anzahl feindlicher Züge auf dem Ausmerzer. Wie ist Ihr Status und wie die Bewaffnung? Es ist ein Mann. Kommandant, hallo. Kommandant Mannheimer, hören Sie mich? Odin, système de sécurité automatisé. Je me suis trouvé une nouvelle sortie. Achtung, Explosion in der Hangarbucht. Sicherheitspersonal im Bereich unverzüglich untersuchen. Wiederhole, Explosion in der Hangarbucht. Sicherheitspersonal im Bereich unverzüglich untersuchen. Thank you.
Caroline, je souffre. Tu me prêteras tes ailes? Celle des commandes. Et voilà. Tournez-le sur le côté, monsieur Bombay. Sur le côté. Ensuite, vous faites comme ça. D'abord, on arrive. Réveille-toi, Max. Il a réussi. Allez, nous devons nous immerger au plus vite. Vous avez réussi, monsieur Blazkowicz. Et Schokoer. Engel, et Schokoer. Caroline, j'ai libéré le marteau d'Eva. Maintenant, je rentre chez nous. Ça m'ennuie de te le demander. Mais voudrais-tu bien me prêter tes ailes un peu plus longtemps ? Faut que je recharge ce truc quelque part.
navette d'évacuation. Ça fait mal. Arrêtez de trembler. Vous voulez quelque chose pour la douleur? Non. Je vais m'en remettre. Maintenant, écoutez-moi. Caroline avait un plan. Oui. La libération des États-Unis d'Amérique. Caroline voulait libérer les États-Unis et s'en servir de base pour délivrer le reste du monde. C'est ce qu'on va faire, peu importe les emmerdes qui nous attendent. Pour Caroline... Oh, putain, Max, arrête d'aider. Pourquoi est-ce qu'il y a une nazie à bord? Parce que sans cette nazie, on serait tous morts alors qu'il est... Donc on la tue pas. Sauf si elle essaie de nous baiser. Tu comptes nous baiser? Non, monsieur. Je ne suis pas une nazie. Plus maintenant. D'accord. Bon. Caroline avait établi un contact radio avec une cellule de résistance à New York. La seule façon d'avancer... En suivant ce plan, c'est de construire des alliances avec les groupes de résistance américains pour mobiliser le peuple et le pousser à la révolte. Grenade anti-sous-marine. Par les poils de cul de Satan, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? J'entends des immersions. De nombreuses immersions. C'est Frau Engel. Quelqu'un peut me dire comment cette garce nous a trouvés? Allez, parle. Quelqu'un transmet votre position directement depuis votre sous-marin. Alors ça, c'est tout bonnement fantastique. Lausmeister reçoit des messages de quelqu'un dans votre sous-marin. C'est comme ça qu'on vous a trouvé. Mais qui, putain? Section F. Quoi? Ok. Ok. Où est-elle? Où est-elle? La voilà, la section F. Mais il n'y a pas de section F. Les cartes ne sont pas à jour, nous avons cherché, mais il n'y a aucune porte à cet endroit. Mais si elle existait quand même, que quelqu'un s'y cachait et transmettait le signal. Allez voir ce qu'il en est. Moi, il faut que je m'allonge. Kendaler, venez. Elle doit être là. Déplacez ses casiers. Qu'est-ce que tu vois? C'est soudé de l'intérieur. Engele! Hé! Tenez! Servez-vous de ça! Vergus m'a donné des idées d'amélioration. Je l'ai quelque peu modifié. Merci, il m'avait manqué. J'ouvrirai ça quand tu auras fini, mon pote. Ah! William, tu dois trouver le transmetteur et le désactiver, ou les grenades anti-sous-marines vont percer la coque.